Attendu à la fin de 2019, le projet d'alimentation de Yaoundé, ses environs en eau potable, a été mis en service le 20 août 2024 à Bachinga. Cela a donné lieu à une grande cérémonie protocolaire mettant à contribution l'élite politique et administrative. Conformément à l'objectif de développement durable numéro 6, il faut assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Assurer l'accès de tous à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et équitables. L'accès à ces précieux liquides est une préoccupation mondiale qui demeure un enjeu sanitaire et économique important, étant entendu que l'eau constitue une ressource essentielle pour l'amélioration de la santé publique, mais aussi pour le développement socio-économique de tout peuple. C'est d'ailleurs fort de cela qu'en 2010, l'accès à l'eau a été reconnu comme un droit humain fondamental par les Nations Unies. Au Cameroun, la problématique de l'accès à l'eau potable reste évidemment un axe majeur de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté et par voie de conséquence de développement de notre cher et beau pays. Cette problématique est d'ailleurs inscrite en très bonne place dans la politique socio-économique de M. le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, qui, lors de son adresse à la Nation, c'était le 31 décembre 2022, a réaffirmé sa volonté et sa position constante à ce sujet en déclarant solennellement, et je cite, l'accès à l'eau potable demeure l'une de mes principales préoccupations. Au-delà de nos grandes métropoles, des ouvrages de production ont été réalisés dans certaines villes et vont s'étendre à d'autres localités urbaines et rurales au courant des années prochaines. Fin de citation. La problématique est posée. Il faut l'implémenter. Il faut dire que c'est le processus habituel. Il s'agit d'apporter un flux d'eau nouveau, important, avec une grande pression dans les réseaux anciens, mais que nous traitons avec beaucoup de délicatesse, sans prétendre qu'ils sont fragiles, mais toutefois ils ne sont pas aussi neufs que cela. En sorte de permettre que les populations aient accès à l'eau potable. Et le problème de l'accès à l'eau potable relève de la responsabilité de tous. Elle relève de la responsabilité des consommateurs qui doivent demander à accéder à l'eau potable dans les conditions, n'est-ce pas, conformes aux bonnes pratiques. C'est-à-dire venir vers Camwater et s'abonner normalement. Et à partir de maintenant, nous pouvons dire haut et fort que l'eau du Païpis coule dans les réservoirs de Yaoundé, l'eau du Païpis coule dans le réseau de Yaoundé, désormais. Alors, qu'est-ce que l'eau du Païpis apporte? Nous savons bien que le Cameroun, surtout la ville de Yaoundé, a connu des ruptures d'alimentation en eau dans beaucoup de quartiers. Et c'était dû à quoi? Tout simplement au fait que nous faisons face à un déficit structurel de production. Pendant que la demande au ciel est 260 000 m3 par jour, la production atteignait à peine 180 000 m3 par jour. Donc un déficit structurel chronique de 80 000 m3 par jour. Il n'y avait donc pas de miracle à faire pour pouvoir donner l'eau à tout le monde parce que la production ne suffisait pas. Mais à travers le Païpis, nous avons une production qui va largement au-delà de la demande. Donc nous sommes donc à mesure désormais de couvrir toute la demande de la ville de Yaoundé environ. Quand je parle d'environ, les villes comme Obala, que le Païpis traverse, les villes comme Bachinga, ces villes-là sont connectés depuis quelques jours et si vous y rendez, vous aurez certainement les témoignages. Donc, le Païpis a aussi un caractère futuriste hein, parce que quand on regarde, nous faisons des projections, nous nous rendons compte qu'avec l'évolution de la demande en fonction de la démographie, le Païpis sera à mesure de couvrir les besoins des populations jusqu'en 2040. Le projet Païpis, c'est à la fois une vision stratégique et des installations techniques.
Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga, en abrégé Pipis, a comme objectif principal la production de 300 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Ces 300 000 mètres cubes d'eau potable par jour s'ajoutent aux 185 000 mètres cubes d'eau potable par jour disponibles avant l'arrivée du Pipis dans la ville de Yaoundé, c'est-à-dire 135 000 mètres cubes d'eau potable par jour venant de l'usine de traitement d'eau d'Akomia dans Balmayo et 50 000 mètres cubes d'eau potable par jour venant de l'usine rénovée de la Mofu à Yaoundé. Ça fait un total de 185 000 mètres cubes d'eau potable que Kamote avait de disponible pour la ville de Yaoundé. L'arrivée du Pipis ajoute donc 300 000 mètres cubes d'eau potable par jour, ce qui va faire que la Kamote va se retrouver avec 485 000 mètres cubes d'eau potable chaque jour, alors que la demande actuelle oscille entre 250 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Vous comprenez donc tout de suite que l'offre en eau potable devient largement supérieure à la demande actuelle. Alors, il faut savoir que il y a beaucoup de quartiers dans la ville de Yaoundé qui n'ont pas eu de l'eau potable depuis plusieurs années, parfois depuis plusieurs semaines, plusieurs jours. Donc, le premier élément important, le premier apport du Pipis, c'est qu'il n'y aura plus de rationnement de l'eau dans la ville de Yaoundé. La Kamote n'aura plus besoin de fermer les vannes dans un quartier pour alimenter d'abord un autre. Tous les quartiers pourront avoir de l'eau au même moment et de façon permanente. Malgré la longue attente, le Pipis suscite l'espoir dans le temps. Il ne fait l'homme d'aucun doute que la mission qui est celle du gouvernement de la République, à savoir la mise en œuvre de la vision politique du chef de l'État, prend ici son sens, celui de l'efficacité. C'est pour toutes ces bonnes raisons que les populations de la Lekié en général et celles de Batchenga en particulier tiennent à dire un grand merci à son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, Nomanji. Nous souhaitons qu'il vous plaise, Monsieur le ministre, de bien vouloir prescrire la poursuite vigoureuse du programme de raccordement des ménages de nos villages proches ou lointains au réseau existant de la Kamwata. Tout habitant. Le président de la République vient de nous offrir un immense cadeau en arrosant Touobala, Batchenga et Yaoundé et les environs. Donc, c'est un jour spécial pour nous qui avons souffert pendant longtemps et le président a mis 500 milliards à réaliser ce projet qui est visible. Tout le monde voit et les bénéficiaires sont très nombreux. Pour faciliter le raccordement des ménages, une dotation de 10 milliards de francs CFA est accordée à Kamwata. Alors, pour permettre au maximum de Camerounais d'avoir accès à cette eau, je l'ai dit dans mon intervention, le chef de l'État a instruit d'abord un projet d'intégration du Pipis dans le réseau de la ville de Yaoundé, la mobilisation des financements en cours. Mais à l'immédiat, il a instruit le ministère des Finances et le ministère de l'Économie de mobiliser dans le budget 2024, de trouver un espace budgétaire de 10 milliards. Et cela est déjà fait. Kamwata a passé des marchés. Les travaux démarrent le mois prochain. Alors, c'est des travaux d'urgence dans le réseau, beaucoup plus dans le sens d'amener le maximum de personnes à avoir accès à l'eau potable. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans les prochains jours, Kamwata va construire à travers cette dotation spéciale du chef de l'État 60 km de canalisation et qu'il va procéder à la connexion de 200 000 nouveaux ménages. Si vous évaluez en termes chiffrés, cela veut dire qu'au moins 1 million de Camerounais supplémentaires auront accès à l'eau potable.
à travers le PAEPIS et à travers cet appui exceptionnel accordé par le chef de l'État. Il y a le projet de reconfiguration des réseaux de Yaoundé qui est un projet vieux mais qui est dans sa phase de négociation juridique, technique et financière qui va adresser la question, n'est-ce pas, de l'amélioration des réseaux afin, dans le but d'en relever les standards et de les étendre vers les populations en construisant de nouvelles infrastructures de stockage sur l'ensemble du périmètre de Yaoundé, en réhabilitant certaines infrastructures de stockage, mais également en poussant les réseaux jusqu'aux villes voisines et dans les zones qui n'étaient pas particulièrement desservies. Et le ministre en a parlé, c'est 10 milliards environ de dotation, mais ce n'est pas une dotation financière, c'est une ligne qui a été autorisée sur laquelle, par les procédures appropriées, des prestataires ayant des compétences établies, une surface technique, une bonne réputation, mais également des références ont été sélectionnées et vont commencer à exécuter ces travaux dont les délais de mise en œuvre sont très courts. 30 000 mètres cubes disponibles en permanence dans les canalisations de la Kamwata, ce volume pourra être extensible à 400 000 mètres cubes par jour d'ici 2040.